Je vais devoir m'en aller. Ne m'oublie pas. Salut. Dédicace. Casse dédie. Alors, on se retrouve à la maison pour faire un petit. C'est pas un haul en fait, tout simplement. Non, parce c'est que, juste vous faire voir ce qu'on ouais, a voilà, c'est vraiment. Y a rien de fifou. Rien de fifou. Mais bon, dans la vlog d'avant, je vous ai demandé combien. Alors, je ne sais pas, hein, parce que je ne l'ai pas encore monté. Hein. Et je vais vous dire la réponse. On s'est craqué sur pas moins de 6 tasses. Dont une en solde. Mais très solde. Cette casquette. Ouais, qui était à moins 50%, je crois, je l'ai dit dans un moins blog. 50 plus moins 20. Voilà, alors pour ceux et celles qui ne savent pas, en fait, il y a des promos, mais en plus, il y a une. Donc, Corinne a le pass annuel, et en fait, avec le pass annuel, il y a moins 20% en plus. Donc, c'est ça qui est bien. Hein. Donc, c'est pour et ça qu'on se permet de pouvoir se faire plaisir de temps. Voilà, donc, petite casquette à moins 50 qui nous a revenu à combien 10 balles, même pas 10 balles. Même pas 10 balles, une petite Disneyland, ça va être ma nouvelle chouchoute. Voilà, et donc, les tasses. Ouais. Comment dire, alors on va dire la première parce que celle-ci nous a coûté que 5 euros. Ouais, mais de toute façon, c'est à cause de Mélanie. C'est Mélanie Panda. Happy ouais, Together, non, cherche pas, non, chaîne, c'est Mélanie Panda, c'est tout. Non, mais sa chaîne YouTube, c'est Happy Together 17. Non, c'est Mélanie 17. Panda. Non, c'est pas je suis sûr, si tu cherches Mélanie Panda, je suis sûr que tu tombes quand même sur ah, ça, je sais pas. Sa chaîne. Donc, c'est la basique 2020. En fait, elle était à moins 40. Moins 40 plus moins 20. Plus les moins 20. Donc ça, non, elle était à moins 50 celle-ci. Voilà, moins 50, donc ça la faisait à 5 euros la tasse. Donc voilà, donc la 2020, tout bon, ça. Moi, je la trouve pas fifou. Elle n'est pas fifolle. Fifolle. Fifou. Mais c'est une produit exclusif Disneyland Paris. Donc, au moins, on l'aura, quoi. Voilà, comme ça, ça va nous. Pas nous pousser, mais comme ça, ça fait une en plus. Et comme ça, on se dira l'année prochaine, on reprendra la 2021. Et en plus, 2020 quand même. Reste quand même. Une année de bip. Voilà. Bah, c'est, déjà pour le moment, c'est l'année où on a été le plus à Disneyland. Oui. Pour le moment, ouais. Pour nous. Voilà. Et ça reste quand même une année à écrire dans les annales. C'est voilà. Ça. Bon, allez, tu choisis laquelle? Bah, celle-ci, parce que celle-ci, on n'en a aucune de cette collection. Ouais. Alors. Celle-ci, Fantasia. Et il n'y a pas marqué. Non, bah non, exclusif, produit exclusif. Ouais, y a pas. Alors, à vrai dire, celle-ci n'était pas prévue au programme. Non, du tout. En fait, on a pris. La collection que vous allez voir en fait. C'est la une des dernières collections. Voilà, il y en a 4, on a pris les 4 en fait, on s'est dit. On... Je sais même pas pourquoi en fait, on a même pas cherché. Non, parce qu'il y avait les 4 et moi. Il y avait les 4, au début on en avait vu 3, il y en a une qui manquait dans le parc. Voilà. Et en fait on a pris les 4. Bref, ouais. Et le gars il me dit ouais, il y a celle-ci, il y en a une autre là-bas et en fait j'ai. Il m'a montré celle que le cast member m'a dit, et en fait j'ai dit non, mais celle-ci oui. Donc toute simple, ouais. Mais il y a une collection aussi avec Ticket Tac, il y a Stitch, il y a Mickey, il y a Minnie. De toute façon, j'ai mis normalement dans le vlog et d'avant, je sais plus. J'ai mis du. Mais après, moi, je suis, celle-ci, je la trouve trop belle, mais les autres, je suis moins fan des. Donc voilà, avec un petit liseré en or, donc l'évolution en fait du dessin à. En fait, au personnage. Mickey Fantasia, de toute façon, il est magnifique. Voilà. Il est trop beau. Donc voilà. Pour cette première petite. Bah, deuxième petite tasse qu'on a acheté. On va rester sur Fantasia. Allez, Fantasia. Celle-ci. Regardez cette. Franchement. Tuerie. Quand je l'ai vue sur le site, les gens ils partagent les trucs qu'il y a dans les boutiques là-bas. Je dis obligé, nous la faut. Donc Disneyland Paris. Donc là, la collection, en fait, il y en a 4. Bah, je pense qu'il y en a 4. Nous, on n'a vu que 4. On a vu que les 4. Donc celle-ci avec le petit balai qui est magnifique. Ah. Alors on enchaîne fais avec. Attention. Oui, t'inquiète. Sur un Mickey original avec le petit bras. Ouais, elle la main, le, tout ça. Et celle-ci, donc, moi je l'avais pas vue celle-là. Donc toujours Disneyland Paris, donc The Original Mickey Mouse. Ouais. Franchement, c'est trop, elle est trop belle. Elle est trop belle. Celle-ci. Le Steamboat Willie. Donc pareil, même délire, donc avec le truc du bateau là. Ouais. Voilà. Après, elle est un peu moins. Travailler que bah, en fait, celle-ci elle ressemble à celle-ci en fait. Non, pas derrière, regarde. Derrière, il y a la main, là c'est le chapeau. Bah oui, non mais. Oui, mais après. C'est ce que je veux dire, c'est un rond, enfin, là c'est un rond. T'as peur hein? Oui, j'ai peur. Donc rond et Disneyland avec le petit chapeau, je vais vous la montrer, hop. Disneyland Paris, voilà. Et la dernière, celle qu'on n'avait pas vue sur le parc, c'est. Non, ouais. Celle-ci, voilà, donc qui va avec celle-ci. Voilà, on a les quatre. Voilà. Il y a des gens qui sont juste là. Non, mais. Je crois qu'ils sont fans. Mais je crois qu'ils sont fans. Fou. Voilà. Allez, salut. je crois qu'ils étaient fans. Hein, ils ont attendu. Mais, non, c'est trouble. C'est normal parce que je suis sûr du gros plan. Voilà, donc Disneyland Paris derrière écrit comme ça.
Donc je vous dis comme celle-ci qui est complète. Mais en tout cas, on a craqué dessus avec le petit détail. Ah. Puis on a dit qu'il fallait qu'ils arrêtent de faire des collections parce que comment ça voilà, se fait. Le petit détail qui rentre comme ça. Voilà. Il y en avait une autre qui nous faisait de l'œil. Ouais, c'était, mais on y retourne au mois de septembre. La Maléfique. On la prendra à ce moment-là, je pense. La Maléfique nous faisait de l'œil. Et si moi j'ai vu la Stitch de Noël aussi que j'aimais bien. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, on va enchaîner sur un petit truc qui n'était pas prévu. Attends, je vais les mettre là. Ouais. Qui n'était pas prévu, c'est qu'on a reçu un colis et la famille T-Rex nous a donné un colis. Nous a offert un colis, oui, désolé, parce qu'il nous les a donnés comme ça. Ouais, bah oui, et on a reçu, en fait, c'est dans ce sens-là. Ah, d'accord. Donné, on a reçu physiquement. Il a bugué. Mais non, je l'ai éteint, je l'ai mis en pause pour éviter d'avoir le bruit. Ah, pardon, d'accord, c'est pas grave. Voilà. On commence par lesquels ? On commence par la famille T-Rex. La famille T-Rex, donc Romain et Coco, voilà. On a pris ouvert. On a pris ouvert. Ouh, il y a plein de trucs. Alors, ok, bon, c'est des bons de réduction. Ah, il y a plein de trucs. Le DVD. Non, le CD, pas le DVD. Oui, c'est pareil, CD. Les 50 plus belles chansons de Disney, donc le double, triple. Triple. Triple DVD, oh, merci. Mais il va aller dans ma salle de jeu parce qu'il n'y a que moi qui ai un truc de CD. Bah non, dans la voiture, on va. Je m'en fiche, il va aller dans ma salle de jeu pour écouter les enfants. Ah, je vais le mettre tout à l'heure, je vais l'écouter. Merci. Bon, moi je m'enchaîne directement sur la petite tasse. Le petit truc qui est un peu dommage, c'est qu'on l'a déjà. Mais après, c'est pas grave. Elle est juste ici. L'autre, on va l'offrir à quelqu'un d'autre et celle-là, on va la garder, c'est pas grave. Aladdin, bon, on l'a déjà. Mais merci, grave, franchement, c'est le geste qui. Qui compte. Il est où le camembert? Parce que je veux que la boîte est vite. Non, j'ai pas. Ah, mais elle est surtout abîmée. Je sais, j'espère que c'est pas nous qui l'avons abîmée sur le trajet. Ah, il l'a peut-être bloqué. Ouais, faut juste qu'on voit où c'est qu'on pourrait mettre ça. Parce que dans camembert Disney. Mais j'avoue, c'est stylé. Je sais pas. L'étonnante époupée. On en a jamais vu. Époupée. On l'a jamais vu. Voilà, non. Merci, mais. Ouais. Là, sur le coup, je vois pas. Nous, on voulait le fromage. Eugène, c'est de la croix. Crème sublimatrice. Oh, ça va me sublimer le visage. Petite crème Eugène Parma. Attends, c'est que je vais sortir. Non, mais on veut que du 10, genre le mec qui roule. Le roule. Ça sent bon. J'ai chaud. Il fait chaud. Ouh, ah, elle est magnifique. J'avoue, elle est super belle. Hop, petite tasse Zelda, bon, qui ne va pas avec Disney, mais, je garde toujours les trucs un peu geek, elles sont juste derrière. Ouais. Elle est magnifique. Ouais, elle est super jolie. Hyrule Mug. Hyrule, pas pourquoi je dis Hyrule. Mais en tout cas, avec le dessin Zelda, là, le logo du Zelda, elle est magnifique. Merci, elle est trop belle. Elle est trop belle. Moi, je continue à voir. Hein. Ouais, vas-y, je vois ça. Les pamplemousses, qui c'est qui veut des pamplemousses? Ah non, c'est du melon, c'est même pas du pamplemousse. Oh là là, je suis fatiguée. C'est du melon. Tu n'arrives pas à ouvrir? Ami pour la vie. Hi, t'as de la idée. Ah, trop belle. Voilà. Si, on en a une, elle est là. Ah ouais. Ah ouais, mais bon, celle-là, il y a les deux dessus. Ah, sympa. Anna Elsa. Ah, elle est toute mignonnette. Ah, mais en fait. Jolie. En fait, je suis en train de me dire, ils veulent. Tout le monde veut qu'on fasse des étagères. Hein. C'est ça. Merci. Et il y a plein de porte-clés. J'ai trop chaud. J'ai trop chaud. Il y a les princesses. Oh, c'est cool ça. Oh, Iron Man. Ça fait. Oh, attends. Et la neige. Mais c'est sympa ça. C'est super sympa. Petit porte-clés, ouais, comme ça. Bon, attends, il va vouloir en piquer un et les filles aussi, je pense. Bon. C'est peut-être à peu près. Ah, c'est super sympa. Ah, super, mais je sais pas où vous avez trouvé ça. Oula, oula. Mais super. Il y a un badge de Noël. Et vous l'avez où? Attends. Vous avez troqué quoi? On l'a pas celui-là. Le Noël enchanté. Parce que, oh, ben non, on n'avait pas pu l'avoir. Il est trop beau. Ah, magnifique, ouais. On l'a pas celui-ci. On va le mettre dans le... Dans la collection avec les badges. Et je crois qu'il y a des pins, si j'ai vu. Oh là 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 là. Si, non, si je ne m'abuse, il faut que... Si je ne m'abuse. Oh là, oh là, oh là, oh là. Oh là. Oh là. Bon, celui-là, oh là, mais c'est pas grave. Oh, purée de pommes de terre. Oh, alors, je vous le montre. Mais il est trop beau, celui-là. Il est vintage en plus, hein. Celui-ci, donc vas-y, fais-toi. Oh, regarde. Il est trop beau. Ah ouais, j'avoue. Oh, le petit...
petit bébé, puis que non, pas Pikachu, Donald. Donald. Ah ouais, j'avoue. Oh, celui-là, oh, lapin. Vous avez le son, hein. Oh, purée de pommes de terre. Gare Merlin. Je suis concentré à faire des gros plans. Ah, mais en plus, on en a plein de cette collection, mais on les a pas. Celui-là, c'est aussi. Celui-là aussi, Picsou. J'avoue, vous avez géré. Ah, mais ouais, franchement. Picsou aussi, celui-ci. Oh, celui-là non plus, lapin. Ouverture 2012 d'Euro Disney. Oh. Et Mini, c'est celui-là qu'on avait trouvé ce week-end en double. Celui-là qu'on n'a pas pris, si, justement. Si, celui-là qu'on a en double. C'est pas grave. Ah, super, franchement, merci, ils sont trop beaux. En tout cas, ouais, franchement, merci. C'est trop cool. Vous avez fait des heureux. Ah ouais, mais franchement, il débat. Ouais, j'imagine que vous avez dû saigner les brocantes pour les trouver. Bah ouais, c'est clair parce que. Ah, ils sont magnifiques. Ça complète notre collection. Merci. De Pins. Pinstas. Badge. Badge. Oh, merci. CD, trop bien. Merci la famille Poctosaur. Ouais, la famille Poctosaur. On fait des bisous. Et bon, un autre colis qu'on a reçu, donc c'est Véronique. Et qui m'avait envoyé un mail et qui m'a dit « Je suis désolé, j'ai oublié de marquer un petit mot dedans. » Mais c'est pas grave, je sais que c'est toi. Alors, c'était pour bloquer ça. Oui, c'est pour bloquer. Vas-y, arrête de faire ton... Attends, je regarde en prompt. C'est pour vous. Allez. C'est plus ça, je regarde en prompt. C'est pour moi, de toute façon, c'est pas pour toi. Allez, fais-moi. C'est pour moi, j'ai dit. Je m'en fous, je veux quand même revoir. Ah, elle est super sympa. C'est pour moi, c'est le R de Romain. Non mais c'est surtout que... Elle est super belle. Elle doit dater parce que Disneyland Resort Paris. Oui, parce que... c'est Resort. Oui, mais les nouvelles, elles sont pas du tout comme ça. Moi, je les trouve pas jolies, moi, avec les lettres, les nouvelles. Mais celle-ci, elle est trop belle. Non, c'est celle qui est là-bas. Non, c'est pas... C'est les autres. Moi, j'aime pas. Bah franchement, elle est magnifique. Bah, j'avoue, elle est super. Bah, surtout qu'en plus, elle a l'air d'être vintage. J'en ai. Regardez, j'ai des poils. Bah, oui, t'as des poils. J'ai des frissons. Regarde, j'ai des frissons. Ah, c'est cool. Elle est magnifique. Bah, j'avoue, elle est trop belle. Merci. Attends, je vais quand même vérifier s'il n'y a rien d'autre. Parce que c'est déjà arrivé qu'on nous dise. Mais t'as pas regardé au fond. Je vérifie. Voilà. Ah, j'avoue, elle est super jolie. Elle est super. Bon, bah, là, va falloir vraiment que j'enchaîne la nouvelle étagère. Hein. Ça, je vais pas remettre ça parce que j'ai pas voulu. Voilà, va falloir que j'enchaîne ce côté-là. En tout cas, voilà. Déjà, merci pour vos colis. Merci Véronique et merci à la famille T-Rex. À David et Lydie. Voilà. Pour, et puis les enfants. Et les enfants, voilà. C'est pour ça que je dis la famille entière parce que peut-être que c'est les enfants qui ont vu les badges. Peut-être. Voilà. Peut-être. Bref, et voilà notre petit retour de tasse, on va dire ça comme ça. Et on va vous quitter là-dessus. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, un petit pouce bleu, tout ça, tout ça. J'espère que les vlogs Disney vous auront plu. Voilà, et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchou!